cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Cher auditeur, que tu sois dans ta voiture, que tu sois chez toi, au bureau ou en replay, bienvenue dans mon émission Grandiose. Ce soir, c'est Nathalie Cuglietta que j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, qui me fait un beau, magnifique sourire. Bienvenue Nathalie, on va aborder un sujet. Bonsoir Sonia, bonsoir tout le monde. Un sujet qui est cher à ton cœur, qui est la santé mentale. Et ça veut dire quoi? Eh bien, la santé mentale, c'est déjà deux mots. Il y a le terme santé et puis il y a le terme mental. Et c'est un grand mot qui fait soit peur, soit qui fait envie. En fait, ça dépend de la manière dont on le regarde et dont on le vit, en fait, la santé mentale. Oui, parce que c'est effectivement vaste. Et à premier abord, on pourrait se dire, oulala, santé mentale, donc j'ai une maladie mentale. Souvent. Est-ce que je suis fou? Oui. Est-ce que je suis folle? Alors, souvent, sur certains profils de génération, je me suis amusée, avant de venir ici, à faire un test auprès de mes proches et de quelques amis et professionnels de la santé. Et je leur ai posé la question tout simplement, et j'invite d'ailleurs les auditeurs à le faire ou auprès de leur famille, c'est vraiment intéressant. J'ai juste posé la question, qu'est-ce que c'est pour toi la santé mentale? Et c'est très très intéressant de voir en fait comment les gens réagissent, et notamment par rapport à leur tranche d'âge. Parce que, par exemple, mes parents ont plus eu un regard de « oh là là, ça me fait peur, c'est la folie » ou « il faut pas s'attacher aux dogmes, il faut s'affirmer », voilà. Donc ça a toujours un rapport vis-à-vis de soi. Et puis les générations un peu plus jeunes, 35-50 ans, c'est plutôt quelque chose qui est bien perçu. La santé mentale, je dois m'en occuper. Parce que c'est important, c'est mon bien-être. Donc on a vraiment ce décalage générationnel qui, ma foi, je pense, est logique, puisque ça va avec ce qu'ils ont vécu à un moment donné dans leur éducation aussi. Mais la santé mentale, en fait, c'est bien plus que ça. Il y a plusieurs couleurs et il y a plusieurs nuances. Tout dépend de ce qu'on vit. Et si toi, tu devais donner une définition, ce serait laquelle? Alors, la santé mentale, pour moi, c'est vraiment un bien-être global. C'est-à-dire que c'est pas que mental. C'est ok, c'est mon esprit, mais c'est aussi ce que je ressens, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je dis, ce que je fais. Et donc, ça va tout ensemble. Simplement, quand tout va bien ou quand on a envie de se dire que tout va bien, c'est vrai, tout va bien. Mais la vie, elle est faite d'aléas et de surprises qui sont pas forcément toujours bonnes. Ça peut être des décès, ça peut être des deuils, des petits deuils. Hein. Je perds mon chat, je perds mon ami, je perds mon travail. Ou même tout simplement des changements qui sont initiés par soi. Hein. Tout, ça à reste, tout à fait. Ça oui. reste un deuil quand même. Des décès. Oui, oui, bien sûr, on veut atteindre un objectif. Pourquoi j'arrive pas dans mon métier à avoir des clients? Bah, ça aussi, c'est une forme de déception, un petit deuil, une frustration. Donc, ça peut altérer notre bonne santé mentale parce qu'on se, tout d'un coup, bah, on descend de 10 étages et on se dit pourquoi? Pourquoi moi? Et quelles sont les ressources en fait? Qu'est-ce qui se passe en nous pour que notre santé mentale revienne en fait à ce fameux équilibre, ce qui est un mot qui est revenu dans tous les échanges que j'ai pu avoir, c'est cette recherche d'équilibre. En sachant que l'équilibre, c'est pas quelque chose de linéaire. En gros, non. Les personnes qui cherchent l'équilibre en se disant « moi j'aimerais que ce soit toujours, que j'aille toujours bien, que ce soit toujours lisse », ça ne marche pas. On oscille forcément, naturellement, oui. Mais c'est être en capacité de puiser dans ses ressources pour se remonter en énergie quand on voit qu'on est en fragilité, peut-être en vulnérabilité, en difficulté. Alors l'équilibre, c'est intéressant comme terme parce que moi, ça me fait penser à l'équilibriste. Donc l'équilibriste, ouais, sur un fil, et ben, il n'est pas tranquille. Il est tout le temps en train de chercher à vigilance. Être. Oui. Donc il utilise son corps. Il utilise son observation, il évalue, il voit, et puis il avance à pas mesurer. Et il s'y remet à plusieurs fois, parfois, parce qu'il tombe souvent. Donc en fait, il ne faut pas avoir de peur de tomber. C'est vraiment un autre point très important sur la notion de la santé mentale, comment monsieur, madame, tout le monde le prend. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir comment je me l'intègre, comment je m'approprie ma propre santé mentale dans ma vie et qu'est-ce que j'en fais au quotidien. Ben voilà. Mais déjà, comment est-ce que je fais le point sur ma santé mentale? Il y a ça. Parce que il y a cette
tu sais, ce côté de déni, parfois, dans lequel on est. J'ai été dedans. Moi aussi. Où on ne veut pas vraiment voir. C'est, oui. On se nous semble plus inconfortable d'aller regarder ça que de faire semblant, entre guillemets. Voilà, le semblant, non, mais ça va, en fait, je n'ai pas à me plaindre. Parce que sur le papier, tout est OK quand même. Il y a pire que moi. Ouais, mais tu as le droit. Tu as le droit d'avoir perdu du sens dans ta vie. Tu as le droit de te sentir fatigué, pas écouté, en difficulté, enfin, etc., et de le sentir et de l'accueillir, de l'accepter pour pouvoir commencer déjà à mettre des mots et après se retourner aussi vers les gens qui accompagnent. Alors, c'est un vrai chemin. Alors là, c'est vrai que sur cette dimension-là, c'est souvent, je dirais moi-même pour l'avoir vécu dans le monde de l'entreprise, où la santé mentale est mise à rude épreuve. Alors bon, faute à la Covid ou merci la Covid d'avoir révélé ça. Ça dépend comment on a envie de le regarder, mais c'est vrai que quand on tombe, parce qu'on tombe, il y a des fois on se relève, puis il y a des fois on se relève pas, parce qu'en fait, à force d'être tombé et d'avoir voulu à tout prix se relever, alors que on savait bien qu'on n'allait pas y arriver, bah en fait on finit par rester par terre. Et quand on reste par terre, bah, on finit par se dire, bah s'il y a personne pour me tendre la main, déjà qu'est-ce que je fais? Et effectivement, c'est pas se culpabiliser, surtout pas, parce que souvent on culpabilise de on se dire, dit c'est moi, je suis incapable, je sais pas faire, je suis pas ci, je suis pas là. Voilà. Ou alors si on se met à demander à l'entourage, on risque de justement avoir en plus des propos, des injonctions de faire, des injonctions à la réussite. Donc ça va être, allez, il faut que tu sois fort, il faut que tu ailles travailler, surtout dans moi qui suis issue d'une famille italienne. La valeur travail, bah, elle est compliquée à porter parce que il faut toujours faire plus, il faut toujours faire mieux, il faut toujours faire, faut y aller, travailler, voilà, travailler, malade mourir. Et donc non, on meurt pas pour le travail. Le travail, c'est vrai, c'est valorisant à partir du moment où on a aussi donné ses limites et qu'on s'oublie pas, parce qu'il faut pas s'oublier, quel que soit les types de réussite dans lequel on est, en fait. On en parlait déjà tout à l'heure aussi de ce système, parce que c'était un peu ce que tu m'évoquais, c'était le fait de ne pas se dire que c'est sa faute, oui, si on en est là, mais c'est que c'est plutôt un système, une organisation qui est à la base de ça. Alors, c'est vrai qu'on peut regarder tous les modes de fonctionnement, mais si on se concentre sur le monde du travail, qui est un sujet qui me tient effectivement particulièrement à cœur pour avoir moi-même subi un harcèlement et un licenciement abusif, eh bien, il faut savoir que c'est pas votre faute, en fait. Souvent, dans des situations comme ça, c'est surtout le système qui est mal organisé. C'est une désorganisation du travail, de décisions qui sont pas forcément faites de manière stratégiquement correcte. Mais la faute est qui aux managers, qui eux-mêmes font avec les moyens qu'ils ont. Après, on peut toujours trouver des raisons, et c'est toujours le salarié finalement qui va payer. Et comme on disait tout à l'heure, les managers sont bien formés, pourtant, sur ces situations-là de santé mentale au travail. C'est pas très démocratisé, malheureusement. C'est bien accueilli dans les grandes entreprises, mais pas dans les TPE, pas dans les PME, parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Ils veulent pas perdre du temps, en fait, là-dessus, sur ces sujets, alors que c'est eux qu'on a vraiment le plus besoin, selon moi. Mais s'ils forment les managers et les dirigeants, il n'en reste pas moins quand ils arrivent devant les salariés comprennent pas ce langage, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés à la santé mentale, l'importance de la santé mentale pour eux-mêmes, pour le manager, le respect. Donc ça fait aussi appel aux émotions, aux valeurs. Donc tout ça, il faut pouvoir le rappeler, il faut en être conscient, et il faut je pense que tout le monde soit formé, en fait, sur cette dimension de santé mentale. Pourquoi c'est important pour tout le monde? Eh ben alors, vas-y, va dans les entreprises, diffuse ce message de l'éducation à la santé mentale. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui le font déjà, et je vais m'autoriser à citer une dame que je suis sur LinkedIn, qui est vraiment formidable pour ça. C'est Noémie Guérin, que je salue, parce qu'elle fait un formidable travail auprès sur la santé mentale en entreprise. Moi, là où j'ai envie d'aller, c'est d'aller m'occuper des salariés et des gens, en fait, dont on s'occupe pas, ou sur lesquels on n'investit pas. Moi, j'ai envie d'investir sur eux, parce que je sais qu'ils ont de formidables ressources aussi, et qu'ils ont envie d'évoluer aussi, et eux, on s'en occupe pas. Et tant qu'on s'occupera pas d'eux, le problème ne sera pas résolu. C'est ton grand projet, ça. Oui, mon projet de structure d'éducation à la santé pour tous, c'est vraiment quelque chose que je porte
Et je fais un appel, en tout cas, à ceux qui et celles qui sont dans cette même dynamique. N'hésitez pas à me contacter parce que je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Ouais, t'as envie de t'entourer de professionnels qui vont œuvrer pour la même chose que toi. Et pour cet accompagnement des gens qui se sentent un peu sur le côté. C'est comme c'est la santé. Hein. La santé, c'est comme les maladies chroniques, etc. En fait, il faudrait une prise en charge de santé globale. Donc, pour avoir une prise en charge de santé globale, il faut s'entourer avec les bonnes personnes. Ça veut dire des experts, un groupe, un comité d'experts qui pourra décider ensemble sur des programmes, des accompagnements et que les gens puissent être suivis en fait dans un espace sécurisé. Ce serait quel type de profil que tu as en tête là déjà ? Pour l'instant, moi, ma cible, c'est vrai, j'avoue, c'est les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Et les enfants, ils vivent dans un monde digital qui est quand même un peu préoccupant sur l'impact que ça a sur leur cerveau et leur façon de voir le monde et d'appréhender aussi le lien social, surtout le lien social. Donc sur la dimension psychosociale, il y a du boulot. Donc c'est pas pour culpabiliser personne, mais le problème c'est qu'il y a un impact sur ce développement-là et on oublie en fait de se relier à des choses essentielles comme la nature, puisque ou les saisons, qui sont en fait essentielles à notre bien-être et à notre santé mentale. Donc c'est les faire revenir sur les choses simples et basiques de la vie, la connexion à soi, à la nature, à sa créativité. Oui, la sonothérapie, découverte des sons, la découverte, les dimensions effectivement psychosociales, ça va être aussi le savoir-être, le savoir-dire. Parce qu'aujourd'hui, le langage, il est limité. L'estime de soi, alors. L'estime de soi. Ça, c'est pas quelque chose qui est malheureusement appris à l'école. Moi, je le. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de savoir que depuis le 1er janvier 2024, il y a une loi qui est tombée, en fait, et qui demande aux enseignants d'éduquer à la compassion à l'école, à l'empathie. Et donc la question se pose, comment se fait-il qu'au XXIe siècle, dans notre société, il y ait besoin de mettre en place une loi qui demandait à des enseignants dont c'était pas le métier d'enseigner l'empathie à nos enfants, Donc la question, elle est double aussi, c'est comment ça, on ne fait pas bien le travail, nous les parents? Et oui, il y a aussi cette dimension de coéducation avec l'école qui est très importante, sur laquelle j'ai un regard et sur laquelle je travaille actuellement aussi. D'accord, alors j'aimerais bien savoir comment ça se manifeste à l'école, justement, de développer cette empathie. Parce que tu m'en parlais tout à l'heure et je me disais, mais enfin, on est des êtres à la base empathiques, on a des neurones miroirs, ils sont faits pour ça. Oui, tout à fait. Du coup, l'apprendre, en fait, c'est quelque part le réapprendre ou le laisser plus de place, finalement, à ça. Autour de quoi, d'ailleurs? Comment moi, ça? Quand j'ai rencontré l'inspectrice d'académie et qu'elle m'a parlé de parentalité, d'éduquer à la parentalité, etc., c'est plus une problématique en lien avec encore la dimension sociale, mais en lien avec l'éducation, qui est une institution. En fait, c'est surtout une dimension d'institution. Nos institutions sont malades, elles sont pas en bonne santé mentale. C'est clair, l'hôpital, l'enseignement, partout, le privé, le public, tout le monde souffre. Et en fait, c'est l'institution qui souffre. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'organisation. Il faut aller mettre une bonne piqûre dans tout ça, une piqûre de bonne santé mentale, de bons usages, d'accompagnement. Parce que c'est ça, en fait, le plus important, c'est d'accompagner. Et c'est comme un bon ami. Mais le bon ami, aujourd'hui, il est même plus capable de donner les bons conseils parce que lui-même, il va pas super bien. Du coup, il faudrait peut-être recréer du lien. Moi, c'est ce pourquoi je travaille, mais c'est très compliqué. En tout cas, moi, mes premières approches vis-à-vis de ça, c'est fermé. Parce qu'il y a une grosse crainte. Qu'est-ce qui est fermé? Par exemple, le monde de l'école, ils sont pas très ouverts à ouvrir les portes, déjà. Pour laisser rentrer d'autres personnes que les enseignants. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais c'est quand même mon ressenti. On est bien pour, mais si vous le faites, si ça ne nous engage pas trop, mais ça nous servirait bien. Donc, en fait, l'idée, c'est de peut-être essayer de recréer du lien avec eux déjà, les enseignants par exemple, et puis les parents, et de trouver un moyen, parce que les enfants, parce que c'est eux le cœur de la cible pour l'apprentissage, et c'est d'enfants passage, les enfants, l'apprentissage, apprenti pour être sage, départ ils sont pas très sages parce qu'ils savent pas, ils ont pas appris. Mais l'idée, c'est de les accompagner à comprendre déjà, à saisir que quand ils font quelque chose, ou en tout cas de parler la même langue. Et on ne parle pas la même langue avec le monde de l'éducation. On a une idée de ce qu'ils font pour nos enfants, mais ils ne sont pas là pour éduquer. Ils éduquent au savoir, quelque part, mais ils n'éduquent pas à l'émotion. Il y a quand même des organismes comme Osmose
qui apparaissent et qui vont proposer en fait aux écoles d'avoir un grand espace documentaire pour pouvoir parler des émotions, réintégrer l'émotion, réintégrer les valeurs, donner de l'air, respirer. Ouais, c'est ça finalement. Mmh. En fait, est-ce que c'est aux enseignants de faire ça? Parce que finalement, ça signifie avoir d'autres profils, puisque d'autres compétences. Ils n'ont pas forcément aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas plutôt une imbrication avec des associations, d'autres organismes qui vont permettre de créer des lieux, des ateliers, des choses pour les enfants seuls, pour les parents et les enfants, vraiment des petits cocons où on va redécouvrir, tiens, un enfant, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Déjà, pas celle forcément induite par le parent, mais en tout cas découvrir l'émotion effectivement d'une matière neutre qui se l'approprie avec son propre libre arbitre. Donc oui, il faut des structures. Moi, c'est ce que je vais développer. Il faut des structures qui viennent accompagner des associations avec des personnes qui soient formées. Par exemple, moi, demain, je vais me former sur l'atelier de respirologie. Ça peut tout à fait se décliner auprès des enfants, parce que les enfants, ils ont des stress qu'on ne voit pas, qui sont pas conscients, pas visibles, mais ils ont les stress dans leur vie. Ils sont codifiés. On est stressé, on emmène les enfants à l'école, puis on les ramène. Déjà, tout simplement, apprendre à respirer. Tout ce qu'ils veulent, c'est jouer, s'amuser. Et oui, effectivement. Mais ils ont raison, parce que c'est comme ça qu'on respire le mieux, mais d'ailleurs. Mais apprendre à respirer, à se servir de cet outil qui est fabuleux, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, moi, où je m'apercevais qu'à un moment donné, en fait, je mangeais en apnée. Mais comment c'est possible ? Je m'étais pas rendu compte que je bloquais ma respiration à chacune des bouchées. Et ça a tout changé, en fait, dans mon alimentation plus consciente, le fait de respirer normalement. Donc, d'où c'était venu, je ne sais pas. On s'en fiche, à la rigueur. Le tout, c'est que ce soit réglé. Mais apprendre à se servir de cette respiration. Et les enfants... Ils le font, simplement quand ils pleurent, ils se bloquent. Quand ils sont stressés, c'est pareil. Mais la respiration, c'est la clé. Hein. C'est une des grandes clés pour avoir aussi une bonne santé mentale. Moi, j'en suis convaincue. On va faire une courte pause musicale et puis on se retrouve juste après. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. De retour avec Nathalie autour du sujet de la santé mentale. On a eu une belle pause émotion là avec Grand Corps Malade et ça m'évoquait le fameux je t'aime qu'on devrait se dire à soi les jours en prenant soin de cette santé, de notre bien-être. Et à ses proches. Assez proche, bien sûr, mais qui est plus proche de soi que soi ? Exactement. S'aimer soi-même, c'est déjà un beau chemin. Le lien avec l'estime de soi, la guérison, de soi. Oui, bien sûr. Commencer par s'écouter et commencer à comprendre où est-ce qu'on en est. C'était ce qu'on se disait pendant la pause aussi. Oui. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que tous les jours, vous faites le point sur la manière dont vous vous sentez ? Mais vraiment à l'intérieur, et non pas vos pensées qui parasitent, qui vous emmènent dans le passé, dans le futur, à droite, à gauche, mais plutôt... là, maintenant, tout de suite, quand je me lève ce matin, qu'est-ce que je ressens ? L'instant présent. C'est vrai que mon compagnon m'en parle beaucoup, et il a raison d'ailleurs. L'instant présent, c'est essentiel pour revenir à soi, et justement pour évaluer où on en est, comment on va, en fait, se demander comment on se sent, tout simplement. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, de pas nous mentir à nous-mêmes, de pas rester, en fait, coincé dans une illusion. Dans l'illusion d'une réussite qui n'en est pas une, si c'est pas celle qui nous convient, parce que c'est notre corps qui va nous rappeler que ça va pas. Et si on force, en fait, le curseur, le fameux curseur, de toute façon, on va finir comme moi, les fesses par terre, et on pourra plus rien faire. Ouais, donc toi, tu sais aussi de quoi tu parles, parce que ça a été une expérience douloureuse. Alors, c'est vrai que mon corps s'y est mis à plusieurs fois, mais cette fois, j'ai bien compris. Et le problème, c'est que j'avais peut-être pas forcément besoin de ça, mais j'ai effectivement subi, en fait, ce qui m'est arrivé. Et au début, on culpabilise à mort. Hein. C'est vrai qu'on culpabilise beaucoup et on a très peur. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on meurt pas. C'est pas si grave que c'est pas vital. Et qu'on se réapproprie le temps. Parce qu'en fait, quand un burn-out fait apparition dans notre vie, il a un grand message à nous délivrer, le burn-out. C'est vraiment, justement, là, c'est le mal-être. Hein. C'est pas du tout la bonne santé, c'est la mauvaise santé mentale. Et il vient nous parler, en fait. Et nous dire, tu vas te réapproprier.
réapproprier le temps. Rien que se réapproprier le temps, ça permet de se remettre les idées en place. Et se remettre les idées en place, c'est prendre des bonnes décisions ensuite. Mais ça prend du temps. Mais... Et puis ça fait peur. Alors ça fait peur, et puis surtout, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis très porteuse de prévention aussi. Et je pense qu'on peut prévenir tout ça. C'est pour ça que je suis venue aussi ici. Je te remercie de m'avoir invitée pour parler de ça. C'est qu'on peut prévenir, on peut s'adapter. Pas prévenir, c'est comment? C'est la question que je posais juste avant. C'est comment est-ce qu'on se sent vraiment? C'est ça, s'écouter. Il faut s'écouter, et même vaut mieux s'écouter plutôt que de pas s'écouter et d'aller droit dans le mur, en fait, tout simplement. Je sais que c'est des mots, hein, mais pour avoir traversé ça, ça fait déjà un an. J'ai quand même eu un impact important puisque j'ai un trauma type 2. Ça veut dire qu'il y a eu un impact sur mon cerveau, et ça, personne va pouvoir le réparer, ce n'est moi. Et l'idée, c'est de pas, il faut être conscient de pas forcer, parce que ça peut avoir un impact sur... Mais les conséquences peuvent être graves, là, pour le coup. Et à long terme. Mmh. Ça veut dire qu'après, on va vivre avec, on va vieillir avec. Et on ne sait pas ce qui va se passer non plus. Et donc, c'est quand même triste si on a des enfants, si on veut garder toute sa tête pour profiter de la vie. Eh bien, il faut prendre soin de soi. Mmh. Donc, le travail, oui, mais pas à tout prix. Le plaisir. Parce que c'est aussi compatible. Mmh. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Hein. Moi, je l'ai vécu aussi. Il faut travailler durement. On n'a pas le droit de sourire quand on est au bureau. Qui est-ce qui a décidé ça, en fait? Les conditionnements, les... Bah oui. Parfois, c'est le fait de un ou deux individus. Complètement. Et c'est pas les bons choix, mais c'est l'ego. Alors là, je fais un clin d'œil encore une fois à mon compagnon, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de discussions sur cette dimension plus spirituelle. Et l'ego, c'est un poison. Dans l'entreprise, l'ego est un poison, et c'est vrai qu'il fait beaucoup de mal, parce que dès qu'on a un peu de pouvoir, plus de l'ego, eh bien, y a des salariés qui en payent beaucoup de pots cassés, quoi. Mmh. Et il faut pas être trop opportuniste non plus, parce que si le collègue y a eu droit, vous y aurez droit aussi, de toute façon. Oui, donc, ça n'est pas réservé qu'à une, collectif, oui. C'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Non. Ça peut toucher tout le monde. Et justement, voilà, de tendre la main aussi, d'être attentif. Moi, quand j'entends ce que tu me partages là, je me dis, mais demain, dans tous ceux qui nous écoutent, soyez attentifs à vos collègues, à vos managers aussi, parce qu'ils ont beau être formés, eux aussi, ils portent des décisions, ils portent des choses qui ont peut-être pas de sens et qui peuvent être très complexes pour eux. Et ils peuvent aussi être démunis à un moment de sentir que, mais ils n'y arrivent pas non plus, et eux-mêmes d'être en souffrance. Et la souffrance amène à la dérive, et la dérive à des situations en fait anxiogènes, et ça va en fait se répercuter. C'est ainsi, l'humain est ainsi fait qu'il le supporte pas, donc il veut le faire porter à l'autre. Oui. Mais l'idée, c'est de pas le porter, de s'en délester, mais en bonne intelligence. La bonne santé mentale, c'est aussi savoir utiliser ses émotions et toutes les formes d'intelligence émotionnelle ou relationnelle. Donc, il y a l'empathie, il y a l'assertivité, le bien savoir communiquer. Tout ça, c'est possible. C'est vrai que quand on se retrouve face à des dirigeants qui sont même très stressés parce qu'ils ont des objectifs trop, trop élevés et irraisonnés, en fait, parce qu'on est dans une société qui, je pense, avec l'ère du digital, fait basculer et le tout marketing. Enfin, on nous vend du rêve, de l'illusion. Tout va tellement vite, il faut être partout à la fois. Mais c'est pas possible. La notion du temps, c'est essentiel. Mmh. La notion du temps, se réapproprier le temps, et puis faire surtout être réaliste, voilà, et faire preuve de bon sens. Quand on entend aujourd'hui que tout le monde a une perte de sens, moi aussi, j'ai eu une grosse perte de sens. Et en fait, le bon sens, c'est d'être déjà vivant, de s'occuper de soi, de savoir ce qui est bon pour soi. On a des contraintes dans la vie, hein, faut aller travailler, c'est sûr, mais pas à tout prix. Non, c'est ça. On peut aller travailler, mais avoir une source de plaisir. Enfin, c'est ce qui a conditionné ma reconversion, personnellement. Et je redécouvre la vie, le monde du travail différemment. C'est plus du tout la même chose. J'avais cette notion de sens qui me manquait. On trouve des choses, mais on peut faire sa popote à soi, en fait. C'est pas tout blanc ou tout noir. Je pensais que c'était le cas à l'époque. Et il y avait aussi, quand on parlait du déni, pour moi, c'était en tout cas, je me donnais pas l'autorisation de vivre une vie meilleure. Je pensais que peut-être les autres. Moi, j'étais tombée là-dedans. Ça faisait 20 ans que j'étais dedans. Pourquoi j'aurais autre chose de mieux? Est-ce que ça existe, en fait, le mieux? Quand on part du principe, tout le monde a ses galères, ouais, d'accord, mais on peut aussi en sortir, et puis on peut se dire que non, on choisit qu'il y ait de très belles choses. Et il y a des challenges.
mais c'est plus des galères, c'est différent. Et ouais, mais parce que quand on démarre, en fait, on veut faire des bonnes études, après on veut un bon travail. C'est une représentation de ce qu'on fait de la réussite, en fait. Et oui, et par rapport à qui, c'est pas son cadre, c'est le cadre des autres. La société n'est pas mal conditionnée. Oui, c'est ça. Quand je vois les jeunes générations, mes frères, par exemple, mes jeunes frères, eux, font des choix avisés, sont beaucoup plus posés, ces générations qu'on disait, ou millénium, ou ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est juste les jeunes, et chaque génération voit les choses et fait avec son temps, mais ils savent peut-être mieux placer le monde du travail là où il est, avec ses limites en fait, et ce qu'ils peuvent en tirer, parce que c'est tout sauf peut-être humain, malheureusement. C'est de la productivité, c'est de l'efficience, c'est tous ces termes qu'on retrouve. Et puis ils savent que faire des enfants, construire une vie, rebâtir une maison, une vieille ferme, et ben c'est ça en fait, c'est peut-être ça a du sens, parce que ça va rester, parce que ça vient de soi. Ça a du sens, ça vient de soi, exactement, c'est pas à l'autre. Ramenons un petit peu de légèreté, un peu de joie, en fait, dans tous ces systèmes. C'est ça. Il faut amener de la joie. Parce que la joie, de l'appétit. La santé mentale, c'est aussi savoir parler de ça de manière très décontractée. Alors, j'avais à l'époque mon ancien président qui disait qu'on pouvait très bien être sérieux sans se prendre... Enfin, on pouvait bien travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais allons-y gaiement. Et ce qui est vraiment super, moi, je trouve, par rapport à toi, Sonia, c'est cette... C'est chouette de voir que toi aussi tu as suivi ce parcours et tu as traversé ça, et qu'aujourd'hui tu as réussi à créer ce que tu as envie de créer. Tu travailles, tu fais ce que tu aimes, et ça fonctionne parce que tu as travaillé sur quelque chose qui te plaît, et qu'il y a un chemin pour tout le monde dans le travail qui nous plaît. Mais ça, on ne se l'autorise pas, et c'est vrai, on met du temps à se l'autoriser. S'autoriser à être à sa juste place, c'est ce que je prône, mais c'est vraiment se sentir que c'est possible. Il y a un champ des possibles inimaginable face à soi, et je suis aussi très fan, tu le sais, du collectif, et je crois que c'est ensemble. Oui. C'est aussi pour ça, l'idée de la radio, c'est de montrer que tu as ce message, mais j'ai le même finalement. J'œuvre d'une autre façon, mais c'est très complémentaire. Le collectif, pour moi, j'ai compris en fait ça au travers de ma dernière expérience professionnelle, parce que justement, cet ancien président avait des valeurs, et en fait, il savait les transmettre, il avait à cœur de transmettre, et c'est ça aussi qui compte. Une fois, on a eu un audit avec des messieurs qui sont venus, il y a un monsieur qui m'a dit, mais non, on ne travaille pas pour l'homme, on travaille pour la structure. Bah, quand la structure, elle ne va pas, si l'homme, il n'est pas là, le leader pour nous tenir, je ne sais pas. Je me suis posé la question. Moi, j'ai tenu parce que j'avais aussi un président qui savait me transmettre des valeurs. Et c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui. Ouais, c'est l'humain. L'humain, cœur du système. Voilà, je suis... Il y a certainement plein de gens avec plein de savoirs, mais si le savoir, il est mal transmis... Ça sert à rien. On n'a pas compris. On va garder un truc, on va le déformer pour que ça nous convienne, et notre petit égo, il va s'en contenter. Mais c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est les saisons. La vie, ça change tout le temps. Mais l'idée, c'est de soi-même. Qu'est-ce que j'ai appris? Tiens, là, j'ai vu ça. J'ai ramassé cette feuille rouge. J'ai ramassé cette feuille verte. C'est merveilleux. C'est d'être la variété de la vie. Mmh. Et puis, on va pleurer, on va rire, on va avoir mal. Et puis, on va aussi se retrouver ici, là, à parler à la radio avec Radio Grand Lac, et être enchanté, se dire, waouh! Mais incroyable, je peux parler à tous les auditeurs et leur dire, allez, vous savez quoi, il y a 12 mois, moi j'étais, je croyais qu'il n'y avait plus d'espoir, la vie c'était, voilà, et aujourd'hui je suis là et je vous parle, et j'ai envie encore plus de faire, quoi. Ouais. Si tu avais un dernier message, justement, parce que l'émission touche déjà à sa fin. Ah, et bien écoutez, en tout cas ceux qui vivent des situations très complexes, où ils pensent que voilà, on ne peut pas... s'en sortir, ou que c'est vraiment compliqué, ou que c'est du blabla, etc. Déjà, acceptez que ça va pas, et puis faites-vous aider, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le système qui va vous aider, malheureusement, mais il y a des gens, il y a des organismes, et bientôt il y aura des structures pour l'éducation et la santé qui vont se mettre en place, et allez-y, ça vous fera du bien. Ouais. Voilà. Merci Nathalie, vraiment pour ton témoignage. Merci à vous. Qui est très touchant, et je vous propose de continuer à 18h15, c'est local et c'est bon, avec Antoine. Donc restez en ligne. Belle soirée, merci. À bientôt. Radio Grand Lac, votre radio. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac, où que vous soyez.